Thank you.
Eh bien bonjour à tous, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live ou une rediffusion de sur Pokémon Emerald Plus. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'est Emerald Plus? Emerald Plus tout simplement bah c'est une acronyme de Pokémon version Emerald. Je crois qu'elle est en français si je me trompe pas. Voilà, c'est une acronyme française où on peut faire créer son Nuzlocke Challenge, où on peut faire son randomizer tout ça. Ah bref, c'est une très 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 bonne acrome, voilà. Je vous la conseille, mais faudrait que j'arrive à bidouiller, à trouver le lien de téléchargement de la ROM, comme ça je vous l'aurai dans la description et tout. Voilà, Pokémon Emerald Plus, voilà, avec le fond qui a changé par rapport à Emerald de base. Voilà, donc c'est by TDAM01 2.3, voilà. Donc voilà, on va lancer maintenant sur... Start, voilà, on va lancer le jeu. Votre pile est... Ok. Ok, ok. Pourquoi pas. Ah, c'est vrai, j'avais déjà lancé une partie. Donc, les options, voyons voir. Non, on voit pas tout aux options. Oui, je sais, j'ai déjà un jeu là-dessus. Hop. Donc aussi, pourquoi il n'y a pas ma tête? Parce que j'ai pas envie de montrer ma tête, voilà, tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de montrer ma tête aujourd'hui. Voilà, sur cette rediff. Bonjour, désolé de l'attente, bienvenue dans le monde des Pokémon, je m'appelle Seko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Oh, Jirachi! Oh, Cosmore serait tellement content. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec des Pokémon et il nous arrive de jouer, de travailler ensemble. Et parfois nous nous réunissons pour nous affronter au corps de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer le mystère des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Eh ben, tout simplement, je suis... un garçon. Voilà, le mec sait même pas qui je suis. Hop. Et mon pseudonyme, c'est Brice, voilà. Et voilà. Voilà, hop. Ah, mais c'est vrai! Tu es Brice, tu viens d'arriver au Bourg-en-Vol, là où j'habite. Mais je m'en souviens maintenant. Voilà, simplement. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde magnifique des Pokémon où tu vivras une belle aventure. Remplie de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi à mon labo plus tard. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Plongeons-nous dans la région de Hoenn. Voilà. Voilà, avec un magnifique bandeau bleu. En plus, j'adore le bleu. Voilà. Simplement, je surkiffe le bleu. Voilà. Hop. Donc, on va sauvegarder tout de suite la partie avant que ça bug. Voilà. Oui, voulez-vous remplacer? Oui, on remplace tout de suite. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, on va voir si la carte de dresseur a été changée. Non. En fait, il a juste modifié le skin du personnage. Activer le mode Nuzlocke. Bon, on l'active pas. On va pas l'activer aujourd'hui. Cette action est irréversible. Vous êtes sûr? Oui. Voilà. On va pas faire le mode Nuzlocke aujourd'hui. Oh, par contre, c'est tellement beau maintenant. Oh. Voilà. Pris, on est là, chouchou. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est le Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais on devrait bien nous y sentir. Tu en penses quoi? Bah, je pense que c'est vachement agréable d'être dans un petit coin paumé où personne ne peut nous déranger, voilà. Tout simplement. Et tu as ta propre chambre, Brice. Allons à l'intérieur. Hop. Alors, Brice, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Pris, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la remettre à l'air. Ok. Ok, ça c'était vigorote, ok. Hop. Voilà, toc. L'horloge est arrêtée. Il faudrait mieux de la remettre à l'heure. Hop. Et là, on va faire ça. Chez moi, il est 14h.
Enfin, il est même bientôt 15h, si vous voulez. Voilà, ok. C'est parti! Brice, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini tout de mettre en place en bas. C'est des majeurs Pokémon, sont vraiment très pratiques. Et assure-toi que les affaires se trouvent bien sur ton bureau. Hop. Et du coup, normalement, il y a l'éternelle potion dans le PC. Voilà. L'éternelle potion dans le PC. Hop. Bon, on n'a pas besoin d'aller. Normalement, toutes les options sont mises. Ouais, c'est bon. On peut pas changer. Allez, c'est parti. Ah. Oh, Brice, viens vite, viens voir. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Nous ne savons toujours pas pourquoi des Pokémon d'autres régions sont apparus chez nous. Ah ouais. Ce reportage vous a été offert pour être présenté devant la reine de Clémentiville. Ok, ils ont juste... Ah, ils ont modifié ça. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Professeur Seko. C'est notre voisin, tu pourrais aller lui dire bonjour et te présenter. Oui, on va faire ça, simplement. On va aller le voir. Avant, on va parler un peu au PNJ. Voilà. Si tu utilises un PC, tu peux stocker des objets et des Pokémon. Le pouvoir de la science est incroyable. Bon, j'adore la façon qu'ils ont, refait la ROM et tout. Le professeur Seko passe des journées entières dans son labo et à étudier, et d'un coup, il part faire des recherches dans la nature. Mais quand le professeur Seko arrive à passer du temps chez lui? C'est la bonne question. Voilà, c'est la bonne question. Bonjour, Bourenvol. Oui, lol. Bourenvol, ville qui garde son éclat. D'accord. Allez, c'est parti. Nous allons voir notre cher professeur Seko. Oh, bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Brice. Nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller la voir à l'étage. Ouais, on va aller voir ça. Hop. Toc. Oh. Une horloge rose et une GameCube rose. Ok. Ça se voit que c'est une chambre de fille. Parce que les filles adorent le rose. Pourquoi t'as pas la tunique rose? Lol. Hein, qui es-tu? Oh, tu es Brice. Donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora. Enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Brice, par mon papa, le professeur Seko. J'espère que tu seras... ce serait sympa, Brice, et qu'on pourrait devenir amis. Et c'est un peu bête, non, mais... Je sais plus travailler. Je sais plus... Beau traducteur. Je connais à peine. Oh non, j'ai oublié. Je te fais laisser papa attraper des Pokémon. Brice, on se retrouve plus tard, ok? Bon, bah trop plus tard. Mais moi, je veux cette Pokémon. Okay. Il me casse mon délire. Je voulais sa Pokéball, moi. Je voulais son premier Pokémon. Mais il veut pas. Il veut pas, cet enfoiré. Voilà. Hop. Allez. Ah, Brice. D'où il me connaît, lui? Lol. Salut, je suis TDAMZO, le créateur de cette version Pokémon. Je suis ici pour te donner un peu de piment à ta partie. J'ai plusieurs options de jeux assez fun à te proposer. Réponds-moi juste par oui ou non. C'est parti, je commence. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard. Oui. Les Pokémon des dresseurs sont générés au hasard. Oui. Le 3... Oui. Les évolutions... Oui. Les attaques. Est-ce qu'on va random les attaques? J'en sais rien. Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Oui, on va randomiser les attaques. Voilà, c'est terminé. Amuse-toi bien. A plus tard, Brice. Ok. Ouais, il a déjà un Pokémon qui a déjà vol. Oh, salut. Il y a des
Des Pokémon effrayants dehors. Je peux entendre les leurs cris d'ici. Mais j'aimerais bien y aller, mais je n'ai aucun Pokémon. Tu pourrais y aller? Bah, moi aussi, j'ai aucun Pokémon. À l'aide! Oula. S'il arrive, lui. Il a un problème. Ah, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok, j'ai fait des magnifiques voix au personnage. J'ai toujours rêvé d'être doubleur dans Pokémon. Oh, des molosses. Starry et Tentacruel. J'ai un penchant pour des molosses. Allez. Des molosses. Un Zigzat au niveau 2. Ok. Des molosses. Oh non, j'ai une femelle. Ok, glas de soin, coup de boule. Allez hop. C'est parti pour un coup de boule. Voilà. Ok, j'ai éternué, c'était absolument fun. Mais bon, on s'en bat les couilles. Du coup, voilà. Ouh. Hop. Ouf. J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, et c'est toi, Brice. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons au labo Pokémon, ok? T'es meuse, je le quitte. Ouais, bah, c'était peut-être l'un des meilleurs starters que nous avons eu. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore encore de Pokémon à toi. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines. Après tout, je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu viens d'utiliser tout à l'heure. Ok, un Démolos. Où je vais l'appeler? J'ai trouvé. Diablos. Ah lol. Oui, le surnom pourri, mais bon, c'est pas grave. C'est un surnom qui fait rire. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi le Pokémon en m'aidant. Oui, tu veux... Oui, on va l'affronter. Super! Ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Ok. Hop. Allez, on va y aller. On va y aller. Route 1. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon là-dedans? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Si on va tomber sur les légendaires. Kirlia. Ok. Kirlia. Quelques torches. Du coup, j'ai pas fait des dégâts avec les attaques de type feu. Ok. Ok, le one shot. Enfin presque. Quand on voudra le capturer, bah il sera one shot. C'est vraiment pas de bol. Hop. Hop. Ok, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux, les Shiny Hunter. Oh putain! Oh mais non mais... Oh mais non mais là c'est trop. Genre le mec au bout du deuxième Pokémon sauvage il trouve un Shiny mais il peut pas le capturer! Oh là là. En tout cas c'est une bonne rampe pour faire du Shiny Hunting. LDR. Oh là là. OMG quoi. Allez hop. Ça c'est fait. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Hop. Donc. On est à Rosière. Rosière. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Vas-y, allez, fais péter les Pokémon. Hop.
Toc. Voilà. Ça, c'est bon. Hop, on va aller par ici. Toi, qu'est-ce que tu me donnes? Bonjour, je travaille à dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec... Oui, on va y aller. C'est une boutique Pokémon. On la reconnaît avec son toit bleu. Oui, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Si t'as envie. Hop. Une potion s'utilise à tout moment. Alors, dans certaines situations, c'est plus pratique qu'un centre Pokémon. Ok, si t'as envie. Hop, on va y aller. Route 103. Ok. Ok, Galifou. D'accord, Galifou numéro 2. Ouais, il a évolué niveau 2. Ah ah. Ça. On va fuir. Simplement, on fuit. Donc là, on va pas lui parler. Simplement, on va pas lui parler du tout. Voyons les Pokémon trouver sur la route 103 qu'on prenne. Oh, salut Brice. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Allez, c'est parti. Hop. Hop. On va faire que des bulles. Pourquoi t'es niveau 8, lui? Ah, les dégâts. Ok, c'est plus efficace, ça. Heureusement qu'on l'a brûlé parce que sinon t'es mort. Genre la rivale qui a un assaut de niveau 8 quoi. Et qui fait hyper mal. Ok, pourquoi pas. La pire attaque. Faut qu'il apprenne la pire attaque. Maintenant je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens tout juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps que de retourner au labo. Okay. Pourquoi pas. Hop. Rizière. Hop. On va retourner un petit peu au centre Pokémon. Hop. Bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Merde, pourquoi j'ai cliqué sur non? Je suis bête. Oui, je suis bête. Enfin, bref. Voilà. Hop. Toc. Chris, par là, viens au laboratoire. Hop. Allez, c'est parti. Bourre en vol. Bourre en vol. Le fameux bourre en vol. Oh, bonjour Brice. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Brice, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex sera plus utile qu'à moi. Ok, nous avons le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou même capturés. Flora mène le sien partout. A chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour le me rencontrer. Oh, c'est super, Pris. Toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial. Tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pourquoi pas? Hop. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs. Ok. Pourquoi pas? Bon, bah, on va se lancer dans l'aventure, j'ai envie de vous dire. Oh non, notre mère. Attends, Brice! Brice!
Ah, tu fais connaissance avec le professeur Seko? Oh, quel adorable Pokémon! Le professeur Seko te l'a donné, c'est gentil. Tu es bien comme ton père. Tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Ils vont te faire aller plus vite. Okay. Voilà, on a enfin les chaussures de sport! J'ai envie de vous dire, enfin! Yeah! J'ai envie de vous dire, ça fait très longtemps que j'attendais ça. Quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père va être ravi. Mais je t'en prie, fais attention, si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y, tout. Vas-y, tous les. Va les attraper. Va tous les attraper, mon chou. Attrapez-les tous, Pokémon! Lol. Ok. D'Ardagnan. D'Ardagnan. Hop. Flamme. Point. Ok. Faut pas chercher un Dardagnan. J'allais vous dire, faut pas chercher un Dardagnan. Sinon t'es dans la merde. Ouais, sinon t'es grave dans la merde. Et ouais. Hop. Facile. Facilis. Une note, pourquoi pas? On va le capturer. Quoique, il a un taux de légendaire. Non, merci. Il a un taux de légendaire, ça va être un peu chaud pour le capturer, quoi. Bon, je regarde ce qu'il y a comme Pokémon dans cette zone. On va bien voir ce qu'il y a. Goélis. Là, la Goélise. Ok, deux légendaires, d'accord. Enfin, pas deux légendaires, si, attends. Si, deux légendaires et deux shiny, ok, d'accord. Pourquoi pas. Mmh. Mmh. Oh, trop stylé, sac à dos! Bon, ça m'étonnerait qu'on le capture. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Au revoir. Ah non. Ah oui, mais c'est pas stable. Mais bien sûr, c'est pas stable. En fait, je crois qu'on va le tuer. Hein. On aurait pu avoir un Mewtwo Shiny. Tant pis. On aurait pu avoir un Mascadre et un Mewtwo Shiny, quoi. Une team full Shiny. Les gens Z va être vert. Ah là là. Faut pas que les gens Z regardent cette rediff. Sinon, il va être guaqué. Non plus, je comprends rien. Il a augmenté le taux de shiny ou quoi? Rambolos. Hop. Hop. Baligno. Un petit baligno. Hop, voilà, c'est fait. Hop. Morpheo. MDR. MDR. Trop loul.
Un what-what. Ça peut être intéressant, mais je peux trouver mieux. Morph, métamorph. Je veux dire morpheux, mais non, c'est une insulte. C'est un Pokémon chewing-gum, ouais. Erdo. Je serais bien tenté de le capturer, lui. Mais est-ce qu'il va résister au coup de boule? Oh, celui-là a résisté. Hop. Pokéball. Go! Capture-moi ce Pokémon! T'es sérieux? T'es sérieux? Tu veux même pas attraper ce Arendo une seule fois? Ah bah voilà! Là, je préfère. Là, je préfère. Je préfère ça, moi. Il évolue en Mascadra. Mascad. Lol. Voilà. De quoi comme attaque? Je sais pas qu'il a que ça. On va le mettre en première position pour qu'il expère un petit peu. Et on va se soigner. Hop. Normalement, il a écume, je crois, de base. Je crois qu'il a écume de base. Et bon, voilà quoi. Re-toi, Bierfun. Voilà. Hop. Ça, c'est cool. Toc. On va partir ici. Voilà. Hop, on va aller là. Si tu es un Pokémon, avec toi, alors tu es officiellement dresseur. Tu ne refuseras pas mon défi. Bon, on va affronter ce dresseur. Hop, pourquoi pas. J'allais te dire. Niveau 8 encore. Putain. Ah bah. C'est quoi ce délire? Tous les dresseurs ont des percutes. J'ai cru qu'il allait me rendre confus. One shot. Le coup critique. Je suis sûr que ça n'a même pas besoin de coup critique. Niveau 4. Niveau 8. Ça c'est cool. J'ai perdu, j'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. 80 Poké-Dollars, c'est quoi cette arnaque? On dirait Nelson de Simpson. C'est ça. C'est trop ça. Enfin, c'est moi qui viens de faire le bruit, hein. C'est pas été rajouté au montage. Pour ceux qui regardent la rediff, bien sûr. Nos regards se sont croisés. Bats-toi contre mes Pokémon insectes. Allez, c'est parti. Allons voir ce que t'as. Est-ce que t'as vraiment tes Pokémon insectes ou pas? Ok, Piffé, c'est vraiment un type insecte? C'est là, on vient de voir Granipieu et là, on a Tifeuille. Tifeuille. Piffeuille! Tifeuille, c'est dans Pokémon Perle. Ah là là. Complètement perdu, mon gars. Je suis complètement perdu. Hop. Hop, Mascasse. Diablos. Ah! Le vénère. Mais quel vénère. Force! D'accord. Le mec, le stop, ça fait que ça. T'es vraiment nul à chier. Piffeux qui va être vite oublié. C'est ça. Synthèse. Le méchant.
le méchant bonhomme. Laisse brûler. Force. Pourquoi pas? J'allais tester le coup de boule. Et voilà. Le petit coup de boule qui fait plaisir. Niveau 9 pour Diabolos. Et voilà. Hop, on va faire soigner nos Pokémon. Parce qu'ils ont pris. Enfin, surtout que. Vu que Feu Sacré ça fait que 5 pp, voilà quoi. J'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Hop. Hop, on va aller par là-bas. Hop, on va aller jusqu'à Clémentiville. Hop. On va aller jusqu'à Clémentiville. Mais dang. On va le tuer pour avoir l'XP. On va le tuer pour l'XP. Allez, feu sacré. Hop. C'est une attaque tellement badass. Voilà. Ouh. Oh non, un dresseur. Tu viens juste de devenir dresseur. Tous les deux, on est des débutants. Tournegrin. Mais ils ont que des Pokémon. Bon, c'est quand que t'as pris une attaque, toi? Il a surf! Quel fou! Bah, ça va vite oublier que ton grain. C'est bon, il n'y a pas du tout de latence sur Twitch. Je viens d'avoir il doit avoir 3-4 secondes de décalage. À peu près. Oula, ça pue la merde. Quel chien celui-là! Non, c'est un poney. Non, c'est un cheval même. Non, c'est une licorne. C'est une licorne. C'est même pas un chien, c'est une licorne. Une licorne de feu. Diablo, c'était peut-être niveau 10 direct. Ça fait plaisir. Hop. On va aller par là. Toc. Les bio orange. Il y en a deux. Ouais, MDR. Putain, il y a tellement pas beaucoup de latence. Oh, c'est horrible. C'est magnifique. C'est magique, Twitch. Twitch, c'est la base. Voilà. Là, pour ceux qui ont la flemme de venir sur les lives, bah, vous avez les rediffs. Ne veux pas venir délirer avec moi. Lol. MDR. Un jour, faudrait que je fasse une vidéo sur Slither.io. Donc, il y en a pas mal qui le font. Je voudrais en faire une au moins. J'ai fait un live dessus, mais il n'y a pas eu de rediff. Électricité triste. Hop. Tagnon. Ok. Pourquoi pas. Fuite. Twitch veut devenir le 1. Le premier, bah je pense que c'est déjà le premier depuis longtemps. Enfin, Twitch c'est la base quoi. Et même d'autres, il y a des sites qui cherchent à faire de la concurrence. YouTube, lol. Mais YouTube, faut vraiment qu'il s'améliore sur le niveau des décalages. Sinon, il serait au top. Mais bon, YouTube et les décalages, ça fait deux. Qui fait mania. Oh les dégâts. Il a la trouille. Les dégâts du coup de boule. Voilà. Hop. Niveau 7. Vitex extrême.
Il apprend déjà cette attaque. Mais oui, c'est un random blaireau. OMG. Au carnage. YouTube, les décalages maintenant, je crois que c'est... Ouais, c'est même voire plus des fois, Bierfun. C'est voire plus de 35 minutes. 35 minutes? Non, 35 secondes, tu veux dire. Par rapport à YouTube Gaming. Encore YouTube Gaming, ça va. Mais le YouTube... ouf. Quand tu fais un event, quand tu fais ton event... t'as les gens qui... tu réponds aux gens une 30 secondes après, quoi. Enfin, voire même une minute après, ils attendent. Il m'a pas répondu, mais attends que je te réponde, quoi. Voilà, quoi. Hop. 30 secondes, oui, pardon. Que 35 minutes, ça fait beaucoup, quand même, hein. 35 minutes de décalage, ça fait quand même beaucoup. Genre le mec il veut faire un sondage, il doit attendre une demi-heure pour avoir son résultat. Oh bordel. Tu te fous de ma gueule? Hop, on va prendre 2-3 petites potions et des pokéballs en même temps. Hop. On peut acheter 4 pokéballs. On va s'acheter 2 potions. YouTube, la base des vidéos, mais pas des live RT. Bah c'est ça. What? What? C'est une prison ça ou quoi? Merci PokéRed pour ton follow. Merci à toi. MDR, loul. Ah, Tiens, mais c'est toi, Brice. Alors, le déménagement est fini. Je suis surpris de voir que tu aies réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois, t'es avec tes Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur, Brice. C'est une très bonne nouvelle. J'attends ça avec impatience. Donc, salut à toi, PokéRed. Merci pour ton follow. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Tu es... oh, mais oui, tu es Timmy, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille à Vergazon. Comme je savais que j'allais être seul, je vais attraper un Pokémon en route. Mais je n'ai pas réussi à... je ne sais pas comment faire. Je vois. Brice, tu as entendu? Va avec Timmy, assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens, Timmy, je te prête mon Pokémon. Oh, un Pokémon! Et je vais aussi te donner une Pokéball. Allez, file! Oh, merci! Merci! Brice, tu veux bien venir avec moi, vraiment? Moi aussi, à un moment, j'ai perdu la motivation de faire des vidéos, puis c'est revenu. Voilà, tout simplement. Et en fait, Chris, avec tout ce qu'il a en ce moment, entre le rugby et les cours, voilà quoi. Brice, les Pokémon se cachent dans les hautes herbes, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement. Oh! Hop. Donc là, j'espère que tu vas bien, PokéRed. Hop. Donc là, faut qu'on attende qu'il ait capturé son Pokémon, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Hop. Ça suffit. LOL. Il va lancer le Pokéball. Il faut le live, s'il arrive à le capturer, je me suicide. Si le live, c'est du foutage de gueule. 1, 2, 3. Mais bien sûr, c'était pour programmé. Non, je suis pas le mec qui rage.
C'est évident, c'était un event programmé pour qu'il capture. J'ai même vu une fois dans un de mes randoms, Nuzlocke bien sûr, enfin, que j'ai fait de mon côté, c'est que il a tué son Pokémon qu'il voulait capturer. Voilà. Merci Brice, retourne à l'arène. Alors, ça a marché? Oui, en effet. Merci. Je vous rends votre Pokémon. Brice, merci de m'avoir accompagné. Grâce à vous deux, j'ai pu attraper mon Pokémon. Je progresse Je promets de bien m'en occuper. A plus, Brice. Bon, maintenant, Brice, si tu veux devenir un bon dresseur, voici mon conseil. Vameureville, c'est la ville qui se trouve un peu plus loin. Là, il faudra battre le champion d'arène, Roxane. Ensuite, rends-toi dans les autres arènes et bats les champions. Tu dois obtenir leur badge, compris? Bien sûr, je suis aussi un champion. Un jour, on s'affrontera, Brice. Mais avant, il va falloir que tu améliores ton niveau, Brice. Mais il paraît de... Enfin, moi je peux avoir des nouvelles via Facebook par Chris. Je sais qu'il m'a. J'ai eu des nouvelles de lui sur la convo de la coop. Que je fais plus partie bien sûr. Et je suis toujours dans la convo de la coop pour aider l'avancement de la coop. Voilà. Je suis plus streamer, mais je suis là pour aider en cas de pépin. S'ils ont besoin d'un coup de main pour les titres, des trucs comme ça. Bon, j'ai le Twitter, mais bon, voilà quoi. Voilà. What the fuck, c'est quoi ça? Il faut changer la musique. Oh! La musique de rouge feu vert feuille. Oh, trop énorme. Excuse-moi, laisse-moi deviner. Vu les vêtements que tu portes, tu ne seras pas un dresseur Pokémon par hasard. Peut-être pas. Tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es sûrement un dresseur débutant ou un simple gamin ordinaire. Je parcours le monde à la recherche de dresseurs de talent. Désolé d'avoir fait perdre ton temps. Ok, pourquoi pas. Hop, on va dans la direction maintenant de Mirouville, la ville du premier badge. Oh non, je suis pas dresseur, mais il y a échange de regards entre un dresseur, c'est le combat assuré. Si tu ne veux pas te battre, reste en... Bon, moi, les live Facebook, ils... Une minute trente de décalage. Une minute trente? T'es sérieux? La vache. Une minute trente. C'est énorme. Je trouve que 35 secondes, c'est énorme. Ouh, c'est absolument pas bon, ça. J'aurais pas dû faire ce dresseur. Fais chier. J'aurais pas dû le faire. Enfin bref. Oulala. Allez hop. Coup de boule à droite. Coup de boule à gauche. Coup de boule dans ta gueule. Non, je déconne. Oh, le non-respect. C'est abusé. J'essaie de les améliorer. Avant, c'était 2 minutes 30. En fait, c'était la mort, quoi. Je sais même pas que les live Facebook, ça existait déjà. Je sais plus où c'est que j'ai entendu ça.
Je sais plus ce que j'ai entendu. Que les lives Facebook allaient faire mal à Periscope ou des trucs comme ça. Moi j'ai même pas Periscope alors. Vous voulez me voir en live, moi c'est du gaming, c'est pas en IRL. Tu veux pas... Non, je veux pas faire de live Periscope. Bah déjà je fais des lives facecam blabla sur YouTube alors voilà quoi. Vitex extrême. Mais pourquoi j'affronte des dresseurs que les Pokémon cheatay? Bonjour, je suis Actilé Carabim. Lol. Oh mais merde. On est dans la merde. On est foutu. Oh là 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 là. Point de feu. Oh bah c'est bon, on est mort. Au revoir. Même pas. Un vieux Octillery, il est... Il fait trop mal. Oh mais merde. Je vais pas revenir sur ce dresseur. Je vais pas revenir sur ce dresseur, il fait... J'ai pas envie. Oh là là. Si seulement on avait une attaque de type plante ou électrique. Ça se trouve, il y a un bon poké là-dedans. 20 ans après, on a enfin tué Octillery. Moriyama. Bon, pas envie. Je ne veux pas dire Riyama. Nidorino. En plus, enfin, ça s'écrit même pas comme ça. Même après une correction, ça s'écrit pas comme ça, enfin. C'est E-N-F-I-N, normalement. Si je voulais un Vassili, je vais le capturer en premier. Bon, on va continuer. Hop. Hop. Le destin nous a fait nous rencontrer. Accepterais-tu un petit combat? Oui, mais c'est ta pote Pokémon. Trop cheaté. Si, Nidorino, il a une évolution, bien sûr. Ok. 43. Je vous rencontre que des Pokémon cheatés. Mais c'est quoi ce jeu? Affûtage. Il va faire mal. Coup de boule. Coup de boule à droite. C'est Nidoking. Loulf. Et je sens qu'on va prendre chez... Ouh, la trouille. Oh, oh, oh. Ok, j'avais oublié qu'il y avait la guérison. Oh, c'est vraiment pas de boule. Voilà, c'est bon, on l'a battu. Yes. Vous imaginez, on aurait fait un Nuzlocke, on a déjà perdu le Nuzlocke.
Oh là là. The best, mais je... Tu savais pas qu'il avait une évolution... Oh, on va prendre le tarpeau. J'ai le 4 tiroir, ce tarpeau. Il a l'air d'être intéressant. Je sais pas, mais c'est mon avis. C'est juste mon avis extrêmement personnel. De se l'écarter. Il est en branche. C'est quoi ce poké? Gros truc que ça fait rien, ça fait rien du tout, j'ai t'attaque. Bon, sac, pokéball et go go les pokéball. Do you fuck me? Toi te fous de ma gueule. Je suis bloqué dans le claquoir. Non, je veux pas être bloqué dans le claquoir. Non, déjà Tarpeau c'est déjà une évolution déjà de base. C'est l'évolution de... Peur de tes tartes. Mais je veux capturer ce poké. Mais... Vas-y, me saoule. Ah bah voilà. Comment je pourrais l'appeler? Comment je pourrais l'appeler? Comment je pourrais l'appeler? Tétardo. Voilà, tout simplement. Tétardo. Hop. Voyons voir ses stats. D'absorbo. Donc lui, il est modeste. Plus attaque spé, moins attaque. Ok, je comprends pourquoi il fait que dalle. Non, il a une troisième évolution dans la saison 4 de Pokémon. Mais non, Tarpeau, c'est déjà l'évolution de Tétard. Parce qu'il y a Petitard, Tétard, il y a Tartar. Et sinon, il y a Tétard. Il y a Tarpeau pour Tétard. Avec une roche royale, je crois. Ah, tu vas pas m'apprendre le jeu Pokémon, quand même. Donc lui, plus vitesse, moins défense spéciale. Lui, plus attaque, moins défense spéciale. Lui, il va prendre cher ses attaques électriques. Voilà. On va aller par là. Hop. Hop. Voilà, ça c'est fait. Hop, route 104. Hop, Miguel. Hop. On va aller tout en haut. Et on va essayer d'atteindre Merouville. Nope, mais je parle de la série, c'est Kyurem, il a été ajouté, ou peut-être que le... Ouais, je pense que c'est qu'un autre Pokémon, tu te trompes.
Je crois que j'ai fait une bêtise. Ou pas. One shot. MDR. Et après une nouvelle attaque. Non. Hop. On one shot tout le monde, c'est incroyable. Et les canons? Dites-moi ce que ça veut dire. On va prendre notre vengeance sur les petits pêcheurs. MDR. On va aller prendre notre vengeance sur le pêcheur, non? On va prendre notre vengeance sur le pêcheur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le temps de niaiser. Allez hop, on va t'affronter toi. What, il a encore changé de Pokémon? Sous ma gueule. Et voilà, nous avons pris notre vengeance sur lui. Je pensais qu'il avait Octillerie. Du coup voilà. Donc là, on va explorer un peu Tarpo. Chez moi, j'ai entendu un bruit bizarre. Chez moi. Ça doit être moi. Aqualie ! Aqualie, ma gueule ! Merde, je voulais prendre cette Pokéball à la place. Hop. Hop. Tu avais raison, c'est une troisième évolution. Bah, tu as vu. Hop, on va aller battre ce membre de la team Aqua. Meganium. D'accord. Je vais me faire tout petit alors. Je vais me faire tout petit. Oh, ça serait tellement stylé une méga évolution sur Meganium. Non, tu l'as même pas tué. Ah, il va être mort. Mais dites-moi, il est OP de la Diablos. Dites-moi les gens. Niveau 7. Niveau 8. Mais c'est fou! C'est fou cette histoire! Mon dieu, je me souviens plus de la team Aqua, ça date. C'est clair. Brrr, tu as le cul de t'opposer à la team Aqua. Viens et affronte-moi de nouveau.
C'est ce que j'aimerais te dire, mais je suis encore de Pokémon. Et en plus, nous, la team Aqua, on a quelque chose à faire à Murville. Ça va, pour aujourd'hui, je te laisse filer. Du coup, on va bientôt arriver à Murville. Ou alors, j'arrête là, à la sortie de la forêt. C'est à voir. C'est encore obligé de tout faire. Vigie attaque. Lol. Merde, c'est pareil. Je suis dans le caca. MDR. Voilà, c'est fait. Hop, du coup on va tester les canons. Du coup il est tout seul à utiliser les canons. Oh, le one shot des familles. Ça fait plaisir. Je ne peux pas être populaire si je perds. Ça c'est clair. Une huile. Ça c'est cool. Hop. Oh non. Altaria. Ok, pourquoi pas. Et voilà. Niveau 11. Pourtant. Il XP tellement vite. Salut Graphium. Salut à toi. Hop. Hop. Bon, je pense qu'on on va s'arrêter là pour ce petit live de ok. Régis. Non, c'est Régis. Regis. Du coup, on va fuir. Du coup, je vais. Du coup, je suis con. Voilà. Oh, pas le grain. D'accord. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette rediffusion du live sur Pokémon Emerald Plus. Du coup, voilà. Du coup, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage et tout ça. Vous connaissez les bails, les gens de YouTube, voilà.